L'un des symptômes les plus courants de faiblesse ou de maladie chez les plantes est le jaunissement de leurs feuilles. Ce symptôme peut cacher un certain nombre de problèmes différents. Dans cette vidéo de Projet Écolo, on va voir ensemble les 8 raisons pour lesquelles les feuilles des plantes jaunissent. Allez, c'est parti! Trop d'eau. Lorsque toutes les feuilles d'une plante jaunissent, il est plus que probable que vous ayez trop arrosé votre plante ou que le substrat ne soit pas si bien drainé que ça. Si vous touchez la terre et remarquez qu'elle est humide et collée, vous devez aérer le sol en le retournant. Manque d'eau. Si les feuilles jaunissent, si elles ont une texture ratatinée et que la plante entière semble s'affaisser et perdre sa force, il est probable qu'elle ait besoin de plus d'eau. Si l'une de vos plantes a souffert d'une grave sécheresse, ne l'arrosez pas trop. Au lieu de cela, trempez tout le pot dans l'eau pendant quelques minutes, puis laissez la terre s'égoutter du surplus d'eau. Terre pauvre. Les plantes ont besoin de minéraux et de nutriments tels que l'azote, le phosphore et le potassium. Lorsque les nutriments contenus dans le pot sont épuisés, la plante commence à jaunir. Si cela se produit, vous devez soit rempoter la plante, soit rajouter de l'engrais. Découvrez pourquoi le bout des feuilles de vos plantes sèche. Excès ou manque de lumière. Surtout dans les climats où le soleil tape fort, certaines plantes supportent mal la lumière directe du soleil. Si vous remarquez que des feuilles qui devraient être vertes foncées commencent à jaunir, mettez votre plante dans un endroit plus ombragé ou protégé des pires heures de soleil. Il peut aussi arriver que la plante n'ait pas assez de lumière et qu'elle ne puisse pas faire de photosynthèse. Ce cas se différencie du précédent par le fait que les feuilles deviennent blanches plutôt que jaunes. Lorsque cela se produit, déplacez vos plantes dans un endroit plus lumineux ou, si c'est impossible, envisagez l'achat d'une lampe pour plantes. Avant d'aller plus loin, on va vous mettre à l'épreuve. Comment s'appelle le processus qui fait jaunir les feuilles des plantes? A. Oïdium. B. Chlorose. C. Mildiou. On vous laisse le temps de la vidéo pour trouver la bonne réponse. Si vous avez également remarqué des taches noires sur les feuilles de vos plantes, c'est par ici. pH mauvais. De nombreuses plantes ont besoin d'un sol avec un certain niveau d'acidité. Si cette condition n'est pas respectée, la plante ne pourra pas absorber le fer dont elle a besoin dans le sol, et elle commencera à jaunir. Il est possible de se procurer des petites bandes qui permettent de mesurer le pH du sol afin d'évaluer les substances ou les matériaux à ajouter afin de savoir avec précision ce dont a besoin votre plante. Temps froid. Même lorsqu'elles se trouvent dans des climats adaptés à leur espèce, certaines plantes peuvent être affectées par les périodes de froid en présentant des taches jaunes sur leurs feuilles. Ce phénomène est particulièrement fréquent chez les plantes qui ne sont pas habituées à ces conditions, parce qu'elles ont été élevées dans des serres ou dans des zones plus chaudes. Si cela se produit, mais que les conditions climatiques restent dans les limites recommandées pour la plante, ne vous inquiétez pas, lorsque les mois les plus chauds arriveront, elle se rétablira. Courant d'air. Certaines plantes d'intérieur ne doivent pas être mises dans des endroits trop exposés au courant d'air. Si c'est le cas, vous verrez l'extrémité des feuilles se dessécher ou jaunir et la plante risque de les perdre. Donc, si vous avez remarqué des feuilles jaunes sur vos plantes d'intérieur, il suffit de les déplacer dans un endroit plus abrité. Arrivée de l'automne. Si la plante n'est pas à feuilles persistantes, avec l'arrivée de l'automne, ses feuilles deviendront jaunes ou brunes et finiront par tomber. Il s'agit évidemment d'un processus naturel et cela n'indique pas que quelque chose ne va pas. Et pour en revenir à notre petite question, vous avez trouvé la bonne réponse? La bonne réponse est B. Le processus de jaunissement est appelé chlorose et se produit lorsque les plantes cessent, pour une raison ou une autre, de produire de la chlorophylle. Et votre plante, pourquoi est-ce qu'elle a des feuilles jaunes? Dites-le nous en commentaire et n'hésitez pas à vous abonner. En attendant, à bientôt les écolos!